Est-ce que vous Un, m'entendez? deux, un, deux, un, deux, c'est bon? Oui, je crois que c'est bon. Un, Je deux, crois que tu leur trois. as détruit les oreilles. Voilà, très bien. Voilà. Donc, on recommence. Bonjour tout le monde, désolé pour ce léger retard. Voilà, je suis Victor Grimoin, Arnaud, l'ami. voilà, Arnaud Lamy, lead développeur Shadow. Je suis le porte-parole plus ou moins officiel de l'entreprise, on peut dire ça comme Mais ça. complètement, Parce parce que que sinon. tu as plus ou moins tué le porte-parole Mais de cette entreprise. parce que sinon, ça devient compliqué après pour tout ce qui est dit, tout ça. Bon! Ou le Victor. Ou le Victor. Qui est aussi un nom de carte graphique qui Voilà. va sortir bientôt, Ou comme ça. Vicky, finalement, dites-nous. Bon, alors, bonjour tout le monde. Donc là, vous êtes 134, ravi de vous voir aujourd'hui. Vous êtes amis depuis combien de temps, du coup? Avec Arnaud, ça fait pas depuis qu'il est arrivé, il y a une espèce Voilà, depuis d'alchimie qui est née, un an à peu près. qui était fantastique. Bon, on va commencer tout de suite avec la question que vous nous avez le plus posée quand j'ai annoncé le titre un Je petit pense que peu. c'est passé une vanne de merde sur mon nom de famille. Arnaud Lamy. Oui, mais moi je m'en fous. Moi D'accord. je réponds avec une candeur C'est vrai que c'est fort. de tous les abois. Et tu vois. Alors, donc c'était la question principale que vous avez posée un petit peu quand j'ai mis le titre de ce Shadow News, parce que comme tu le sais sans doute Arnaud, le titre de ce Shadow News c'est ça, c'est voilà, Ici. c'est Copperfield et Shadow World. Flying peut-être, ici. Peut-être, C'était des PC qui c'est peut-être volent. ça. Alors, donc, qu'est-ce que It's a Fucking PC? Eh bien, It's a Fucking PC, c'est un projet sur lequel travaille Vincent depuis un petit moment, donc Vincent qui est au marketing, en collaboration évidemment avec le produit et notre cher Arnaud ici présent. C'est, finalement, si on devait le résumer, la roadmap des 10 features sur les 3 prochains mois les plus demandés. Alors, qu'est-ce que j'entends par roadmap pour ceux qui ne sont pas dans le langage du développement? Comment on pourrait résumer ça finalement un petit peu? C'est un peu la liste des fonctionnalités qui vont sortir avec des dates. Avec des dates, tout à On rapproche fait. les dates Shadow. Voilà, ce sont les dates Shadow, mais il ne faut pas oublier. Donc voilà, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, il y a eu Feuille de route, ouais, c'est. on peut le traduire comme Ouais. ça. Donc l'idée, en fait, c'était finalement de vous apporter plus, peut-être un peu plus de visibilité sur ce qu'on fait. Parce que vous le savez qu'on le communique extrêmement souvent, mais il n'y a pas forcément un endroit qui vous permet de savoir quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça se termine. Merci pour ton sub, Grégos 772. Donc l'idée, voilà, c'était vraiment d'avoir en fait cette page. Alors, on vous précisera où est-ce qu'elle est, tout ça, tout ça. Ça sortira normalement semaine prochaine, si j'ai pas de bêtises. Les dates, hein. exactement les dates. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on bosse en ce moment, niveau dev, où est-ce que ça en est. Alors, vous verrez, ce sera très très clair. Vincent vous montrera tout ça très bientôt. On se fait pas mal chambrer quand même sur les dates, hein. Mais oui, mais écoute, on a l'habitude, j'ai envie de te dire. Oui, on l'assume surtout. Oui, surtout on l'assume. Voilà, donc ça, en fait, c'est voilà, c'est vraiment être transparent et T'as en pas dit fait, merci. merci beaucoup à Dinono. C'est ton nouveau petit jeu, ça. Non, J'allais c'est dire, toi qui as tu veux dit dire, c'est. merci. Non mais c'est très mignon, c'est Voilà, très mignon. t'as pas dit Voilà, merci. donc l'idée c'est d'être transparent C'est et en même sympa. temps, voilà, de prendre un engagement aussi fort envers vous, parce qu'on vous a dit que là, les mois qui arrivaient, il y avait le mois dernier qui était focus sur L'unifié. le client unifié. On a tenu. J'ai pas envie de dire qu'on a tenu la date, mais le fait est qu'on a tenu la date. Et on a tenu la date. Et maintenant, voilà, on va vous montrer un peu, voilà, où est-ce que ça en est sur toutes les choses qu'on annonce, un petit peu. Alors, si tu as quelques exemples comme ça de ce qu'il y a, il me semble qu'il y a le micro, ce genre de choses, Bah, le voilà. micro, bah, en fait, en grosso modo, c'est simple, hein. La roadmap, elle a été définie un petit peu par vous, tout bonnement. On vous a contacté par les retours du support, les retours sur Discord, nos insiders, nos modérateurs. On leur a demandé quels étaient les principaux problèmes. Et le numéro 1, c'était le micro. Tout à Donc fait. voilà. Donc du coup, on s'est dit, ok, d'accord, on vous a compris, pour citer l'autre. Et on va travailler sur le micro, principalement. Pas beaucoup de gens qu'on leur a Oui, ben non, ils sont trop jeunes. Merci Tazinou pour Merci. ton tier 1 et pour tes 2 mois d'abonnement. C'est très gentil. Et donc du coup voilà. Il y a plein d'autres choses que je vais laisser Victor présenter, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de vous fournir un plus de visibilité sur qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on travaille, et puis d'avoir une meilleure communication tout bonnement. Après, de toute façon, quoi qu'il se passe, là en fait, on va pas montrer d'image tout ça, parce qu'encore une fois, ça arrivera la semaine prochaine. Mais voilà, c'est l'idée de ce It's a fucking PC. Si vous avez des questions, on les gardera pour la fin sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est un truc que vous avez demandé. Est-ce qu'il y aurait une roadmap Shadow publique? C'est pas une roadmap à proprement parler, dans le sens où t'as pas non plus tout le détail morceau par Non, bien morceau. sûr, il n'y aura pas les bug Parce fixes, que ce genre de choses, c'est pas non plus forcément. les détails techniques, mais oui, il y aura les grosses suites de fonctionnalités. T'as pas dit Merci merci. merci l'article pour ton abonnement Twitch Prime. Voilà, Ils vont donc, tous le faire, je suis sûr. sérieux, je Ce vais le sera tout faire. tellement fort. Voilà, donc c'est. Voilà, c'était un peu de l'idée. Inscrivez-vous, il est obligé de dire merci. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Ensuite, on va enchaîner sur Copperfield.
Donc Copperfield, qui finalement était la grosse mise à jour récente de Shadow. Est-ce que tu peux résumer un petit peu pour ceux qui ne nous suivent pas forcément, qu'est-ce qu'il y avait un peu dans Copperfield, si on devait faire un peu le tout ça. Copperfield est un livre, un magicien tiré d'un livre écrit par notre ami Dickens, mais aussi un magicien un peu foireux qui est sorti avec un top model, je crois. Avec Claudia Schiffer, c'est pas de bêtises. Oui, Claudia Schiffer, oui, c'est ça. Voilà. Et voilà, qui a blessé d'ailleurs quelqu'un lors d'un tour de magie. Mais en dehors de ça, à part ce truc-là, à part ça, en fait, c'est aussi une mise à jour, d'où le nom de mage, et donc d'où le nom de Copperfield. Copperfield, c'était vraiment la mise à jour du client unifié, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une seule base de code. Qu'est-ce qu'une base de code? Grosso modo, on va dire que c'est code commun. Un code commun. Oui, c'est vrai, c'est plus simple. Un code commun sur toutes les applications. Que ce soit Linux, Windows, Mac, et là les mobiles vont arriver, ça c'est pas encore fait. Avec l'avantage certain qui était évidemment de permettre que quand on push, quand on met à jour Shadow, la mise à jour se fait sur tous les clients en même temps sans qu'on ait besoin de bidouiller à droite à gauche. Voilà. Sur chacune des plateformes. Sur la box V1, normalement, c'est en production, Copperfield. Donc, du coup, c'est en... Ah, tu suis carrément. Toi, t'es un malade. Non, faire les filles. Non, les questions. Ouais, bien sûr. On me demande des questions, je réponds aux questions. Ouais. C'est des questions qui ont lié à Copperfield. Mais le petit point était là, mais si tu veux. Tu peux le dire maintenant, après. Désolé. C'est juste qu'on avait dit que, normalement, on répondait aux questions par rapport au sujet. Oui. Et là, c'était une question par rapport au sujet. Oui. Donc, je vais respecter l'exercice, Victor. Attention, je ne dis pas. Non, parce qu'après, il m'engueule, vous ne le savez pas, mais après, il m'engueule. Donc oui, Shadow, on peut commencer par ça si tu veux d'ailleurs au passage. Hein. Non, Shadow non, Ghost et Android iOS. Juste à la question. Ok. Bon alors, quels sont les fixes? On va pas faire toutes les fixes. On va pas faire tous les fixes non plus parce que c'est pas non plus le plus intéressant. Mais on a quand même eu moins que Galahad, je trouve. Oui, je trouve aussi au passage. Alors effectivement, on n'est pas encore parfait. On s'améliore. On travaille beaucoup pour essayer d'avoir, comme on l'avait dit lors des derniers Shadow News. Là, j'en ai quelques-uns si tu en as. Selon toi, alors j'ai par exemple dans les fixes, on va dire communs, donc qui sont spécifiques, qui sont pas spécifiques, donc qui sont sur toutes les plateformes. La correction d'un problème de témoin lumineux du clavier après arrêt de Shadow. C'est un bug ça. Oui. Il est fort celui-là. Correction des clics de souris dans Shadow quand le menu rapide est affiché, le quick menu. Sur la Ghost, la suppression de la ligne de pixels présente sur les barres noires lorsque la résolution de l'écran est inadaptée. Voilà. On avait aussi, par exemple, là, sur macOS, le changement de l'icône sur la touch bar. Et le correctif, alors ça, je pense que ça peut vous intéresser pour ceux qui sont sur Mac, le correctif sur les manettes provoquant des mouvements de souris. Et enfin, la correction d'une partie des erreurs de R300, parce que c'est un message d'erreur qui apparaissait de temps en temps, il me semble. Ouais, alors, R300, ouais. Qu'est-ce que R300? C'est quoi le problème R300? Est-ce qu'on sait le définir? C'est un problème un peu générique, donc du coup, on mettait plein de choses dedans. Voilà, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être tombés dessus. Je pense que c'était peut-être important de... Non, en fait, c'est sous Windows, principalement. Maintenant, on a la liste à peu près des cartes que vous utilisez, des CPU que vous utilisez, pour essayer de comprendre comment vous décodez les images au niveau du Shadow. Oui, je sais, c'est technique. Et grâce à ça, ça nous permet vraiment d'avoir... En fait, on supporte énormément de matériel différent, même si ça paraît bête, parce qu'au final, beaucoup. Mais énormément, c'est tout sous Windows. Donc, c'est vrai que sous Windows, là-dessus, on achète de plus en plus de machines, on achète des atomes, on achète des... Mais des fois, on va sur des brocantes limite. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est des CPU qui sont très, très vieux, et c'est cool. C'est vraiment la promesse de Shadow, et donc, du coup, on en est très fiers de marcher sur des très, très vieilles machines. C'est notre objectif, et c'est pour ça qu'on prend ça très au sérieux. Mais trouver des CPU qui ont 8 ans, c'est difficile. Donc on cherche. Mais on s'améliore. On vous contacte des fois. Les personnes nous contactent. C'est pour l'atome, par exemple. Il y a un initiateur qui m'a aidé pour débugger. Parce que voilà, on ne l'avait pas. On en a acheté un. Et voilà. Bah, c'est comme quand les utilisateurs parfois nous prêtent du matériel qui ne marche pas chez eux. Oui, voilà. Ils viennent directement et on le prend et puis on le débugue. Ensuite, pour tout ce qui est Android iOS, arrête-moi si je me trompe, mais du coup, normalement, la version bêta devrait être poussée la semaine prochaine. Copperfield devrait être poussée en bêta la semaine prochaine. Ouais. Sur Android iOS. La qualité est en train de faire un super travail là-dessus. Et donc, du coup, ils devraient nous dire que tout on a bien codé, que tout est parfait et que tout brille. S'ils nous entendent, coucou. Et normalement, semaine prochaine, on devrait pouvoir pousser. Ah, et donc, comme tu disais pour la Shadow Ghost, du coup. Ah, la Shadow Ghost, on travaille dessus, là, elle est en bêta. Donc, pour tous ceux qui ont une Shadow Ghost, je vous invite à aller en bêta. Donc, pour rappel, maintenant, la nouvelle bêta est ce qu'on appelle une release candidate. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de risque à aller en bêta. Et donc, du coup, c'est vraiment idéal si tout le monde va en bêta avant qu'on passe en royaume officiel. C'est quoi, c'est le royaume officiel tout court? Royaume officiel, oui, je crois. C'est ça, et royaume de test. Enfin, royaume officiel de test. On appelle vulgairement parlant dans notre jargon la prod.
comme on dit dans le langage technique. Dans le langage technique, alors, a fortiori, la production. Maintenant, donc, il y a les titres étaient un peu mystérieux, c'était difficile de dire exactement ce que c'était chaque morceau. Alors, mon voisin de gauche travaille sur le problème de tearing. Il l'a résolu, mais maintenant, il a un problème de stuttering. C'est-à-dire que la différence entre le tearing, ça fait des barres. Le stuttering, c'est-à-dire que l'image n'est pas très fluide. Et donc, il est en train de corriger. Mousse, tu nous entends, bon courage. Oui, parce que quand il dit son voisin, c'est pas moi, hein. C'est à son bureau quand il est. C'est pas marrant. Ah oui, oh, vas-y. Tu veux t'y mettre ? Ah oui, t'as raison, moi le développement, ça fait 5000. Donc, maintenant pour la partie, ce que j'appelais donc Shadow Worldwide, c'était, alors, encore une fois, le titre un peu nébuleux, mais en même temps, j'avais pas trop de trucs pour ça. C'est vrai que vous savez que Shadow dans le monde. Vous savez donc que Shadow est une entreprise, certes, florissante et avec des gens formidables en France, mais aussi dans d'autres pays. Et en fait, on avait quelques news en fait par rapport à ça. La première news, c'est qu'on sera présent à la QuakeCon. Alors, qu'est-ce que la QuakeCon finalement un petit peu ? Est-ce qu'il y a Quake, il y a Con ? T'es sur la bonne piste, exactement. Ah, c'est pas mal. Donc du coup, ça sera un événement sur tous les jeux de id Software ? Alors, on est principalement sur du voilà id Software Bethesda. Oh, c'est formidable ça. Ça prend pas les. Ton fichier corrompu. Ça prend pas les trucs. Mais c'est formidable ça, cette histoire. Attends, bouge pas. Peut-être que j'ai la bonne version. Non. Ah, c'est con. Il y a con, un problème d'informatique. Oui. C'est encore une fois, moi, je bosse sur Mac et forcément, j'ai transféré sur. J'ai transféré sur Windows et ça marche c'est pas. Bizarre. Quoi. Ah non, c'est parce que je crois que c'est les captures d'écran Mac qui font peut-être que je sais pas. Ah, HEIC là. Je vais tenter de me le renvoyer un coup, mais c'est con parce que j'avais des jolis trucs à vous montrer en plus pour c'est le ballot. Coup. Ah non, vraiment, donc je vais essayer quand même de tout ça. Alors, attends, je vais meubler pendant ça et répondre à vos questions. C'est ça. C'est en Chine, non, pas du tout. C'est pour les États-Unis de l'Amérique. Alors, Dallas prend deux ailes. Oui, c'est à Dallas, tout à fait. Et c'est du 25 au 28. C'est quand même curieux quand même, qu'il y a un truc sur avec des gros fusils partout, comme la QuakeCon, ça se passe à Dallas. Est-ce que c'est une coïncidence, tu penses ? Est-ce que ce serait pas une coïncidence malheureuse ? Peut-être. Je sais pas, peut-être. Alors, sachez qu'on ne vous voit pas actuellement, ne bougez pas. Genre, t'es chargé en fichier. Il est en train de faire plein de choses avec son ordinateur. Oui. Parce que ça m'embête, parce que autant, bon, la partie QuakeCon, il y avait des trucs à voir, mais c'était plus abstrait, autant la deuxième partie sur. Sur le truc, c'était peut-être plus sympa. C'était quand même sympa. Ah non, il veut juste pas en fait. Si, ah ça bah marche. Si, voilà, formidable. Oh, que c'est coloré. Formidable. Alors attends, bouge pas. Il a une super image. Hop, c'est un mood board, monsieur. Oui, je sais ce que c'est. J'en ai un super sur la France d'ailleurs, si tu veux. Avec le Concorde, excusez-moi. Napoléon. Excusez-moi. Donc on sera donc du 25 au 28 juillet à Dallas, nous serons à la QuakeCon, qui est la plus grosse LAN d'Amérique du Nord, donc entre 4 et 5 000 joueurs. Et quand même. Plus que quelques exposants. Attends, stop, ça bug à ce qui paraît. Est-ce que ça bug moins ? Parce qu'en fait, Victor est en train de télécharger un fichier pour pouvoir vous le montrer. Donc là, ça devrait aller normalement. Est-ce que c'est mieux ? Oui, regarde. Non, je crois que c'était rigide, mais en fait, c'était moi qui bougeais pas. Non, ça devrait être bon là. Oui, c'est bon. Oui, oh, excuse-moi, c'est le DL qui a fait c'est ça. C'est exactement pareil que pour Shadow. Si quelqu'un est à côté télécharge, ça marche moins bien. La preuve par l'exemple. Pourquoi est-ce qu'on va. Pourquoi on va là-bas ? Eh bien, déjà pour être beaucoup plus copains avec Bethesda. Mais c'est aussi notre première grosse convention aux États-Unis qui est gérée par Clara Danos. Ouais, je l'ai croisé là-bas. Notre event manager. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage parce que c'est beaucoup de boulot, même si elle va tout gérer parce qu'elle est beaucoup trop forte. Et aussi évidemment pour faire ce qu'on appelle dans le jargon technique de la brand awareness, hein, je ne vous apprends rien. Brand awareness qui veut dire qu'en gros là on va faire genre coucou, nous c'est Shadow et on est sympa. Alors c'est pas à quoi va ressembler les stands exactement, c'est un mood board donc ça vous montre un petit peu les intentions créatives comme on dit de ça. Donc voilà, on a décidé de partir sur un côté très, très années 90. Donc voilà, est-ce que j'ai aidé un peu pour les références ? Ouais, je pense. Peut-être. Doom 90, ouais. Ah bah oui, 90, bien sûr. Début. Donc voilà, ça c'est notre. On vous montre tout, hein. C'est vraiment cadeau. Donc voilà, ça c'est notre centre. Donc là, c'est une illustration, vous pouvez le voir, de la gueule que sera un peu au niveau du mur. Donc voilà, des petits bureaux avec des shadows, un petit lit, un petit comptoir, tout ça. Et pour vous donner une image un petit peu de ce que ça donne la QuakeCon en vrai, ça ressemble globalement à ça. Ça n'a vraiment rien à voir. Oui. Ah, mais c'est pour ça que. Mais après, ça, blague à part, ça. Après, nous, on a des petits stands, évidemment, à droite à gauche. C'est impressionnant. C'est voilà. Donc, ça, ce sera là et on y sera. Donc, ça, nous, c'est plutôt. On sera un des joueurs là-dedans Non, nous, on sera. On aura notre petit stand, parce qu'il y a quelques exposants, okay. Dont Shadow fait partie. Très bien. Et vu qu'on est très copains avec Bethesda, c'est plutôt stylé.
Parce qu'ils nous aiment beaucoup, Bethesda. On peut afficher plusieurs fichiers en même temps sur sur ce qu'on appelle Windows faut ou pas qu'il y ait, okay, je crois. Ok, d'accord, oui. Parce que ça devient pénible en fait à la longue. C'est un peu flippant, c'est histoire. Vrai, ça. Et ensuite, il n'y a pas d'autres. C'est formidable, j'adore Windows. C'est vraiment un outil. Si tu mets tout sur le... Désolé, on apprend à se servir de Windows, mais on va y arriver. Sur Mac, c'est plus pratique. Hein. Ouais. Je veux pas critiquer, mais. Eh ben, je vais les ouvrir. Ah, attends. Ah, ça y est, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. D'accord, donc ça met juste autant de temps à s'ouvrir correctement. Quoi. Très bien. Ensuite, le deuxième partie de ce Shadow International, c'est qu'on a, on est parti en Asie. Alors, qu'est-ce qu'on est parti faire en Asie ? On est parti faire plusieurs choses. On est parti donc aux Philippines et à Singapour, où on a été invité déjà pour faire une keynote sur le cloud computing. Donc, on a été invité officiellement pour parler un petit peu de ce que c'est Shadow. Donc ça montre quand même que ce soit en Europe, en Asie, mais aussi aux États-Unis, Shadow, si on devait le dire un peu vulgairement, on pèse dans le game. Et on a envoyé deux personnes qui sont d'un côté Fergus, qui est donc là pour tout ce qui est un côté business, et aussi Bruno, qui est aussi un peu business. Et vous allez voir, ils nous ont envoyé quelques photos que j'avais très envie de vous partager. Voilà, donc ça c'est la première. Donc ça c'est Bruno, ça c'est Fergus qui ont trouvé une magnifique petite arche et qui sont pris en photo là-bas. Ah, c'est des cadenas. Et oui, ce sont des cadenas bien sûr. Oui, c'est pour le côté un peu Paris, tu sais. Je me demande même s'ils n'ont pas récupéré le pont de Paris. Il y a la tour Eiffel derrière. Non, je me demande s'ils n'ont pas marqué Serbia. Non, tu vois, je me demande même s'ils n'ont pas récupéré les cadenas du pont de l'amour pour les mettre là. Ce serait possible. Voilà, ça. Alors ce n'est pas une image stock. Je tiens à vous le dire, c'est Bruno qui l'a pris lui-même cette photo. Tu sais, on dirait les plans en 3D. Il y a marqué en blanc quelque chose là-dessus. À mon avis, t'as menti. Ah, il m'a menti. Bon, en tout cas, il allait dedans, en tout cas. Il était dedans. La preuve par l'image qu'il allait dedans. Regarde, tu vois, ça, c'est le dessus du truc. Ah, il a pas pour le. Tu vois, ça, c'est vrai. Voilà, ça, c'est sa photo. Donc, c'est un énorme bâtiment avec Ce bâtiment avec la terrasse par dessus. Oui, en fait, c'est comme un espèce de bateau. Mais sur le bord de surf. Oui, moi, je vois plus un paquebot personnellement. Ouais. Dessus. Ça, c'était donc la conférence qu'on a fait. Voilà. On est allé voir aussi quelques opérateurs à Bracoche pour leur montrer ce que c'était Shadow. C'est comme les chaises à la couleur de Shadow. Oui, c'était totalement fait au hasard, mais c'était plutôt cool. Ah, pourquoi tu l'as dit Bravo, ça n'active pas Windows. Oui, j'ai la flemme. voilà. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait, parce que c'était un moment dans le voyage. Elle est juste classe cette photo, je trouve. Ouais, c'est clair. Voilà, elle est juste stylée cette photo. Et je crois que c'est tout. Voilà. Ceci est le fond d'écran de. Voilà. Oui, c'est mon fond d'écran. Il est tout à fait respectable. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était pour qu'est-ce qu'on va vous donner. Et dernière news dans cette partie. Ensuite, on ira aux questions. Je vous rassure. Ensuite, on ira au focus et ensuite on ira aux questions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait une committee manager de talent qui est partie aux États-Unis, Adelina, pour faire la committee manager aux US. Donc voilà, je tenais à vous montrer que la fit life est terminée du côté de Zou, puisqu'elle a trouvé le chemin de In-N-Out. Mais elle est bien arrivée, elle est très contente, je vous rassure. Voilà, c'est à peu près tout pour la partie Adelina. On peut enchaîner sur... D'ailleurs, c'était du locaux aux États-Unis. Oui, c'était nos locaux aux États-Unis. Il y a une super vidéo sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller la voir. Oui, c'est ça que tu as fait une vidéo avec... J'avais fait une vidéo de qualité. Tes acolytes. Avec Dimox et Bubu. N'hésitez pas à y aller. Oui, abandon. Oui, elle nous a abandonné. C'est un monstre. Maintenant, on va partir sur un focus qui me semble être intéressant, qui est comment on teste et comment on choisit les composants qui vont dans le data center. Parce que vous savez, il y en a beaucoup de questions sur oui, le stockage, quand est-ce que ça vient, etc. On ne vous répondra pas aujourd'hui, évidemment, vous le savez, sinon vous serez déjà prévenu qu'il y aurait eu des changements. On peut vous dire ce qu'on fait. Mais on peut vous dire aussi comment on le fait et pourquoi parfois ça peut prendre du temps. Et il me semble que c'est important de connaître le process qu'il y a derrière, parce que ce n'est pas parce qu'on met le dernier composant que ça fonctionne mieux, que ça fonctionne nickel, tout ça, tout ça. Et on insiste bien, ce sont les futurs composants. Exactement. Donc je te laisse, attends, je te donne, parce que alors, je pense que tu les connais par cœur de tête, mais je préfère quand même te filer le. Hop, le déroulé de ce truc-là. Hop là, voilà. Merci parce que il a tout bien rempli, c'est un petit peu long. Donc je te laisse parler à la foule. Alors, l'objectif c'était de vous montrer qu'on avance dessus, d'accord, et on réfléchit à qu'est-ce qu'on va mettre comme nouveau composant. On va pas en dire beaucoup. On va juste dire que ça devrait changer beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Ça c'est sûr et certain. On va avoir vraiment des machines qui vont vraiment être bien plus performantes. Comment on travaille ? Eh bien, déjà, on fait d'abord, on prend toutes les specs techniques des composants, un CPU. Un CPU, ça a plein de propriétés, assez casse-pieds d'ailleurs. Un GPU, pareil, et les cartes mères, et la mémoire, et tout ça. Et donc, du coup, après, on regarde, on dit, tiens, ça m'intéresse.
Comme vous le savez, la fréquence du CPU joue beaucoup sur la performance en jeu, mais plein d'autres choses, le cache, la fréquence mémoire, la bande passante de la mémoire, le nombre de canaux de la mémoire entre le CPU et les barrettes de mémoire, comment on fait l'isolation, comment on fait tout ça. Donc du coup, une fois qu'on a vu ces specs techniques, eh ben, on fait une shortlist. Une shortlist, c'est quoi? C'est avoir une liste de choses qu'on se dit, bon, très bien, ça, on veut essayer. Ça, ça, c'est intéressant. Après, le reste, ça, on appuie sur un bouton et on le commande et ça peut mettre entre 3 semaines et 1 mois et demi à arriver parce que ce sont des composants de serveur. On va pas acheter ça à rue Montgallet. Pour les Parisiens, c'est une boutique. Pour les non-Parisiens, plutôt, c'est une boutique dans laquelle on peut trouver tout et n'importe quoi en informatique. Mais malheureusement, pas les composants qu'on cherche. Donc du coup, c'est vraiment des cartes mères spécifiques. Oui, parce qu'on est quand même sur... on n'est pas sur des modèles communs. Hein, non, pas vraiment, pas vraiment. Avant, on a acheté des cartes mères avec marqué Play Harder sur la carte mère, genre de choses. On a acheté des choses assez sympas. On a une arme, pour vous donner un exemple, on a une armoire donc, qui doit faire, je sais pas, 2 mètres de haut sur 1 mètre 50 de large et 80 cm de profondeur, littéralement remplie de matériel. Et à ras-bord, en plus. À ras-bord. C'est-à-dire que les cartes graphiques, je sais pas, il va y avoir une quarantaine là-dedans, les cartes mères empilées de partout. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment là-dedans et on teste, et on récupère ce matériel et on fait des combinaisons et on teste. Donc on installe tout le système de virtualisation. Donc ce qu'on appelle un bench. Exactement. Voilà. Donc ouais, en fait, en gros, un bench, c'est comme une tour de PC, mais qui est beaucoup plus facile pour s'amuser à monter, démonter, et surtout, tu as la place de monter à peu près tout ce que tu veux, dans le sens que tu veux. Voilà. Et donc, du coup, on monte ses PC en lab, on met de la pâte thermique, on met un ventilateur, mais enfin, pour ceux qui savent, c'est une joie. Non, il y en a qui adorent ça, je te rappelle. Oui, je sais, mais même chez nous, il y en a qui adorent ça. Hein. Oui, enfin, au bout du 50e. Ouais, bref. Ils en ont monté un bon paquet. Et en plus, ouais, on a vraiment essayé toutes les combinaisons possibles. Et du coup, une fois qu'on a fait ce PC, qui est plus un serveur d'ailleurs, on le met en route, on installe tout le système sous le shadow de virtualisation de Linux. Okay, et après, on fait des benchmarks CPU et GPU. Alors, on fait des benchmarks purs, c'est-à-dire que là, on teste vraiment la performance pure d'un CPU et d'un GPU. Ce que les gens aiment appeler teraflop, mégaflop, combien ça fait d'opérations. C'est intéressant pour nous, mais plus techniquement, pour savoir vraiment quelle est la capacité réelle. Ce que ça a dans le ventre, on va dire. Voilà, et à devenir, en fait, c'est plus le potentiel. C'est-à-dire qu'avec ça, on va savoir le potentiel pur de puissance d'un composant. Ça ne veut pas dire qu'il va donner exactement ça en jeu. Ouais, parce qu'il y a une différence un peu notable entre le en jeu et ce que c'est normalement, quoi. Par exemple, tout ce qui est optimisation pour les 2080 et 2070, je pense qu'il y a encore des choses à faire pour le faire sur les drivers. Et donc, du coup, bah, elles ne donnent pas pour l'instant toutes leurs capacités, contrairement à 1080 où les drivers ont été optimisés. Les jeux ont appris à servir à 1080. C'est un peu comme dans la console. Le premier jeu sur PS4, on sait très bien que en point de performance, il n'est pas très bon, alors que les jeux en fin de vie d'une console sont bien meilleurs, puisque les développeurs de jeux vidéo ont appris à se familiariser avec les composants. Je t'ai perdu. Non, c'est bien aussi. Tout à fait. Ben, je pense à Rome qui était sorti sur... Alors, je sais pas si ça s'appelait Rome, mais c'était sur PlayStation 4, je crois. Ouais. Il était très, très beau. Le truc Total War, là, avec voilà, le petit bonhomme. Non, juste, tu grigeais un Romain. Il était très beau, mais cela dit, le jeu était extrêmement court et t'avais quand même pas mal quelques ralentissements, tout ça, parce que c'était avant tout une démo technique plus qu'un jeu. Voilà. Et ensuite, les jeux de fin de vie sont juste sublimes. C'est ce qu'on appelle vulgairement parlant un jeu pété. Alors non, moi j'appelle ça une démo technique. D'accord, très bien. Payante. C'est pas chez Nintendo qui ferait ça. Ensuite, surtout avec des petits bonhommes qui se battent. Mais bon, on n'en parlera pas. Donc une fois que c'est fait, on fait effectivement les tests en jeu et on regarde sur les différents jeux. Et qu'est-ce qu'on prend comme jeu? On sélectionne des jeux par rapport à leur moteur graphique. Parce que comme vous le savez, chaque jeu utilise un moteur graphique, mais bien évidemment, il n'y a pas un moteur graphique par jeu parce qu'un moteur graphique, ça coûte très, très, il y en a très, même, très, et très, 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 très cher. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y en a même de Mercy Sterize, Son of Rome. Et surtout qu'il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, de chacun qui fait son petit moteur graphique dans son coin. Comme tu vois, t'as Kojima qui a le Kojima Engine, tout ça. Exactement. Mais il y en a quand même de plus en plus qui ne veulent pas dépendre d'un truc propriétaire. Et du coup, il faut tester de plus en plus de jeux aussi, voilà. Notamment. Donc, du coup, voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on vérifie en jeu, on vérifie sur les différents moteurs. Que ce soit le moteur de Unreal, que ce soit le moteur, je sais pas, Frostbite, enfin, y en a plein, okay. Celui d'AWS, enfin bon, y en a vraiment plein. Et une fois qu'on a fait ces tests-là, on a à peu près une bonne idée, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'expérience en jeu, même si on fait du cloud computing, et Victor a fait une super vidéo pour l'expliquer, on sait que quand même la plupart l'utilisent pour faire du jeu, okay, pas se mentir. Grosse partie. Okay. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, on refait une shortlist. C'est-à-dire qu'on rediminue encore la liste pour y arriver à quelque chose d'un peu plus. Et là, après, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un serveur de test. Et donc là, on fait un véritable serveur qui est capable d'aller
en data center. Donc nos serveurs sont un peu spéciaux. Ça n'a rien à voir avec un serveur que vous pouvez voir pour ceux qui ont déjà vu un serveur, parce que l'alimentation est complètement sortie. En fait, c'est un bout de tôle et dans le bout de tôle, on met un peu tout dedans. Et une fois qu'on a fait ce POC, d'accord, ce serveur de test, bon, on va le tester. Et donc, du coup, là, on va vérifier son alimentation électrique, le refroidissement, comment il va se comporter dans un data center branché 24-24, parce que vous pouvez en avoir 17, mais essayer de l'allumer. Ça, je pense que c'est important de le préciser. C'est une dimension que vous n'avez pas forcément, mais j'ai un exemple tout bête. Je ne sais plus ce que c'était. On avait reçu, je sais pas quelle carte graphique, enfin, je ne sais plus quel bidule. Normalement, sur le papier, ça donnait nickel, genre les pertes, et ça. On le met dans le DC et on se rend compte qu'au bout de, je crois que c'était peut-être 48 heures, un truc comme ça, il y a une surchauffe qui commence à arriver, machin truc, et en fait, on se rend compte que c'est inutilisable en l'état, tant qu'il n'y a pas de patch, machin tout ça. Dans un univers data center. C'est ça, exactement. En data center, il y a des cartes graphiques, surtout les cartes graphiques qu'on peut utiliser. Quand elles sont trop chaudes, qu'est-ce qu'elles font? Elles baissent en fréquence, du coup, on perd de la performance. Et Donc, puis c'est elle pour ça. s'use aussi beaucoup plus rapidement. Et elles s'usent beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on évalue le courant, la climatisation, ça c'est vraiment très important. Et là, c'est la partie infra qui travaille énormément là-dessus. En fait, c'est ce qu'on appelle industrialiser la solution. C'est-à-dire qu'on passe d'une solution à OK, on a fait ça sur un bout de table. Ça Avec marche. les ingénieurs du dev et on a branché, on a regardé, on a testé et on est content. Ah, ok, d'accord, on peut mettre des milliers de machines dans un data center, ça marche C'est et ça, ouais. ça réveillera personne un dimanche soir à 4 h du matin, dans la théorie. Dans la pratique, s'ils sont réveillés dimanche soir à 4 h du matin, C'est normal, malheureusement. malheureusement, vu le métier qu'ils font. Ça arrive. Ensuite, après, qu'est-ce qu'on fait? En parallèle de tout ça, on commence à discuter avec les fournisseurs de hardware. Donc moi, j'étais aux États-Unis pendant la semaine dernière pour aller discuter avec. Vous pouvez prendre tous les grands noms du hardware. On a C'est ça, discuté c'est avec ça. eux. Ne citez pas des noms, il les a tous faits, Oui, à peu près. On n'a techniquement. fait que ça. Donc on était avec le responsable de l'utilisation, Est le sympa, ça responsable de aussi. l'infra, moi-même, Asher qui est le cofondateur, qui est responsable des États-Unis. Et on a vraiment discuté avec littéralement tout le monde sur tous les composants, les cartes mères, les spécificités, les CPU. Les cartes graphiques, Non, pas Pyrène, pas Beambox. non, voilà. C'est qui Bimbox? Je te raconterai après. D'accord, ok, très bien. Donc voilà. Et donc là, en parallèle, ça nous permet nous aussi de savoir, valider ce qu'on appelle un modèle économique, à savoir voilà, combien coûte un composant et comment on peut faire pour que on puisse vous le livrer rapidement. Après, on fait une bêta test. Là, la bêta test, c'est encore un autre test, mais là, pour le coup, beaucoup plus gros, où vraiment, on est quasiment sûr de la solution. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les risques au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. Et après, on fait des commandes, après, on industrialise, après, on fait des négociations, Sachant qu'il faut après. aussi préciser, c'est que aussi en fonction des composants qu'on choisit, ça peut aussi modifier la façon dont on a de faire une baie aussi au Ah passage. oui, complètement. Complètement. Ouais, mais du coup, imaginez, on décide de partir sur telle façon, enfin sur tel composant. Il n'y aura jamais de changement, et encore ça pourrait arriver, mais pour l'instant non. Mais il n'y a pas de changement drastique non plus. Mais ça demande quand même une réorganisation totale de la salle et de la façon dont on a branché les composants, machin, Tout à milieu fait. là, et de plein de petits en fait réglages que vous ne voyez pas en fait. Et ça. Par exemple, ça fait partie des nombreuses choses qui prennent beaucoup de temps. Voilà. Je te laisse continuer. Et après, on attaque les commandes. Et les commandes, les livraisons, c'est entre le moment où on signe et le moment où les serveurs sont montés et prêts à installer, il y a 2 à 3 mois. Parce que ça prend énormément de temps. Il faut les monter, il faut Parfois, qu'on parfois pour. plus aussi. Ça arrive des 4 coins du continent, des fois parfois plus, malheureusement. Ce genre de choses. Donc voilà, et après l'installation, ça c'est assez rapide. Notre infra, quand ça arrive, travaille jour et nuit non-stop. C'est assez des sauvages là-dessus. Non mais Et genre en en plus quelques réellement, semaines, non, vraiment, ça c'est... en quelques semaines, il set up des milliers de serveurs. Un jour, Ok. un jour je ferai une photo de... Sauf spécialement Valentin, ça se voit encore plus que les autres. Ouais, ils Une photo, sont. tu sais, la photo avant installation, après installation. Cyril et Valentin, ils sont là, ils sont en mode Ouais. fatigués. Voilà. Et après, là, on peut commencer à mettre à la disposition. Et là, l'équipe virtualisation commence à prendre les serveurs et fait son déploiement. Alors, sache, CapTop, est-ce qu'on a signé aux US? Tu ne signes jamais juste Non, après 3 jours. non, Ça n'arrive jamais. Dans non, aucun monde. non. Voilà, donc ça c'était pour comment Surtout ça se vu les passe. quantités qu'on commande. Oui, en plus de ça. Bon, alors avant de prendre vos questions, je vais prendre les questions que nous a posées. Alors je ne me rappelle plus quel est. C'est un early bird qui m'a posé les questions, j'ai plus son nom malheureusement. Mais il m'a posé quelques questions qui étaient intéressantes. Pourrez-vous expliquer en détail quelles sont les barrières techniques qui empêchent la migration d'une machine, d'un shadow, d'un serveur à un autre en parlant d'un pays? Alors. Genre des US à la France ou là. Alors, nos liens de peering entre nos data centers ne sont pas optimisés dans le sens où ce qu'on optimise, c'est les liens
vers vos connexions. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on paye des liens. Ah, Jelven, merci, c'est toi. Qui coûtent très très cher. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on doit les remplir. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire, par exemple, on va discuter avec Orange, on va discuter avec Proximus, on va discuter avec SFR, avec enfin, tous les opérateurs, pour être sûr et certain que vous ayez entre vous une très bonne connexion. Maintenant, les liens entre les data centers, pour l'instant, on n'a pas eu le temps et on s'est pas concentré sur les travailler pour essayer de pouvoir avoir des énormes liens entre les DC parce que ça coûte cher pour l'instant pour un usage qui est faible. Pour le moment, c'est pas utile. Voilà, c'est utile pour une partie d'entre vous. C'est utile, bien sûr, mais pour très peu. Pour une partie d'entre vous, mais pas, c'est pas assez, extrêmement loin d'être majoritaire. Du coup, on préfère pour l'instant dépenser sur des plus gros liens qui vont vers les utilisateurs, donc vers vous, okay, pour que vous ayez la meilleure connexion possible pour vous connecter à votre Shadow. C'est tout. Après, est-ce qu'on le fera? Je pense que. Oui, bien sûr. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est vu la taille. Sauf pour les États-Unis, on devra. Non, déjà. Et puis, parce que les États-Unis, j'ai des ménages de l'Est à l'Ouest, c'est plus loin de Manhattan. Et vu les objectifs qu'on a de façon de conquête mondiale, à terme, évidemment, on le fera. Bien sûr. Mais là, aujourd'hui. Encore une fois, c'est une question de priorité, de savoir où est-ce qu'on met nos efforts. Et pour l'instant, on préfère mettre nos efforts sur la communication entre les Shadows et vous. Voilà, on a donc répondu à ta deuxième question qui était pensez-vous un jour faire en sorte qu'une machine puisse être disponible? Donc oui. Et enfin, avez-vous un calendrier à partager au public des futurs déploiements de Shadow dans le monde? Alors, on n'a pas de calendrier là tout de suite, mais on vous en fournira un normalement. Crois que c'est demain, a dit Emmanuel. Oui, mais dans les mois. Enfin, dans les semaines ou dans les mois qui arrivent, quoi. Ouais. Parce que oui, il faut encore que ce soit officiellement terminé. Mais oui, quoi qu'il se passe, on va vous tenir là dans les semaines ou mois qui arrivent. Ah, très bonne question. Est-ce qu'il y aura la fibre sur l'île laser? Ah bah oui, heureusement. Ouais, je suis pas on fera sûr. Tout, on fera tout en lifi. Ah, allez, très bien. Blague de connaisseur, tu marqueras. Je dis Shadow, Paris Data Center, parfois en Kiev, en Ukraine, et ça marche, ok. Oui, après, cool, ça dépend des jeux auxquels tu joues. Moi, c'était du Portugal, je crois que ça marche très bien. Alors, vous arrivez à amortir le nouveau matos sur combien de temps en moyenne? Pour l'instant, on n'arrive pas, on l'amortit pas pour l'instant. Sûr, on l'amortit, mais je ne sais plus. Oui, pas tant que ça. De toute façon, on s'en fout. On est pas là, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des profits. On est là pour avoir des clients et réussir à faire de plus de levées de fonds possible. C'est l'objectif d'une startup, je vous le rappelle. Comment on passe tous les clients à d'autres hardware? Eh bien, on fait ça par batch. On fait ça par partie. C'est qu'en gros, il n'y aura pas du jour au lendemain, on ne va pas tout éteindre, tout rallumer en disant genre c'est bon les gars, oui, avec tout. On fait ça par morceau, par serveur, au fur et à mesure. Des mois et des semaines, ne serait-ce que l'installation, c'est des semaines. Donc, déjà, d'une part, Donc voilà, on fait ça vraiment étape par étape pour éviter de déjà tout casser parce que si on fait tout d'un seul coup, vous n'aurez pas votre Shadow disponible pendant je ne sais pas combien de temps, ce qui est déjà régulant pour tout le monde. Et en plus, ça peut créer des gros problèmes, donc on fait ça par morceau. Vous pouvez demander à vos petits copains à qui on a déjà changé le matos à l'époque et ils vous raconteront comment ça s'est passé. Une date approximative pour plus de stockage sur Shadow? Absolument pas, Strugal. Nous n'avons pas cette information. Non, ils travaillent. Mais tout à fait. Comment on passe tous les aujourd'hui? Il y a assez peu d'opérateurs pour le peering outre-océanique, non? Oui, parce qu'en fait, c'est pas une question de peering, c'est une question de distance, tout simplement. C'est beaucoup trop loin. Je vais prolonger deux ghosts en 4K60 en même temps d'ici septembre. Ça je pense à la même connexion, mais je parle. Ah, quelle connexion je suppose. Oui, faut regarder. Quel est le digicode pour entrer dans les bureaux Shadow de Paris? Il n'y a pas de digicode. Non. Et non, on est au-dessus de tout ça, messieurs. Un prochain Shadow World. Bah, j'ai avec notre téléphone. Moi, je bats avec une vieille carte blanche voilà. Qui marche très bien. Avec notre téléphone. À quand Shadow iOS? Ça existe déjà, GamerStream 37. Tout à fait. À quand donc un prochain Shadow World? Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations à communiquer. C'est avec quel tu les enchaînes, c'est incroyable. T'as vu ça? T'as vu, c'est meilleur. Il prend toutes les questions. Bam, à la volée. Donc le prochain Shadow World, pour l'instant, pas de date à ce sujet, mais je peux aussi vous dire qu'on y travaille et que il est possible que ça se passe à peu près à la même période. Tant que Clara rentre, en fait. Voilà, mais ça risque de se passer normalement, si tout se passe bien, à la même date, enfin, même date, dans le même horizon de date que l'année dernière. Encore une fois, rien n'est validé. On attend que Clara revienne. Linux et Nvidia, est-ce possible? Il faudrait qu'on travaille dessus. On n'a pas du tout eu le temps mou et j'aimerais vraiment travailler dessus, sauf que on essaye de fixer les problèmes de micro d'abord, parce que c'est, encore une fois, c'est une question de priorité. Il y a plus de personnes qui ont des problèmes de micro que Linux avec Nvidia, mais on a des gens chez nous qui ne travaillent que sous Linux, donc du coup qui ont leur Shadow sous Linux et qui hurlent à cause de ça, donc vous inquiétez pas, on y pense. À quand le vrai double screen sur un seul PC? Alors déjà on a jamais dit qu'on faisait du double screen, on a dit qu'on faisait de l'extra screen.
le produit m'a assez embêté pour oui, ça. Oui, mais aujourd'hui, on fait l'extra screen. Donc le double screen. Donc le double mais, screen. Mais quand est-ce que le double screen sur. En fait, le deux écrans sur le même, sur le même, sur le même device. Ça se fait. Il faut qu'on termine la version du streamer pour la mettre en bêta et après, effectivement, on pourra travailler dessus. Mais ça ne devrait pas être très long, normalement. Donc à quand, je ne sais pas. Mais ce n'est pas dans les dates de la roadmap qu'on va envoyer. Mais ça devrait être pas trop long. Pour les tests de changement de composants, vous avez envisagé AMD ou pas? Alors, on a tout envisagé. On a tout envisagé. Après, AMD, voilà, AMD étant AMD, est-ce que c'est le plus pertinent pour du gaming? Je ne sais pas. De toute façon, moi, je n'y connais rien et je laisserai. Non, si, on a testé AMD, bien sûr. Oui, on a testé. Mais est-ce que c'était envisagé? Oui. Est-ce que c'était testé? Oui. Et envisagé aussi. Et envisagé aussi. En plus, c'est la Vega, c'est ça, la carte graphique? Alors, la carte graphique, c'est Vega, mais ils ont une nouvelle maintenant, qui est à 7 nanomètres. Ils ont une version serveur. Pour vous donner l'exemple, à quel point on est réactif, la 5700 XT est sortie le dimanche, on l'a testée le mercredi. Oui, parce que. Toutes les cartes, c'est comme ça, on teste vraiment tout. Pour être sûr et certain que ça ait du sens en jeu. Non, puis le gros avantage aussi, c'est que vu qu'on a de très bonnes relations avec tous les constructeurs, on arrive à les avoir un petit peu en avance pour essayer de faire nos tests en avance. Et surtout, en plus, ils nous disent « Alors ça marche pas, mais dans deux semaines, ça va marcher, donc attendez un petit peu avant de tester ça. » On va se mentir, les drivers de la 5700 XT sont pas tout à fait secs. Oui, ouais, regarde, ceux de la... Enfin, rappelle-toi, ceux de la... Pour tout le monde, ceux de la 1080, ils étaient pas ouf au début, et ceux de la RTX, ils sont pas encore, optimisés. C'est normal. C'est normal. Je ne répondrai pas à cette question. AMD a été retenu ou pas? On ne répondra pas à cette question. AMD sont en train de faire des CPU et GPU optimisés pour Stadia, alors peut-être que vous pouvez en avoir aussi. Alors après, le fait est qu'AMD font des CPU et des GPU qui sont optis pour les consoles et pour tous ces. Enfin, ils font des trucs optis pour tout le monde, au passage. Oui, en fait, c'est pas la même chose que nous. Encore une fois, vous avez une machine complète. Et c'est beaucoup. Alors, c'est pas du tout pour nous envoyer des fleurs ou pour dire que les développeurs sont meilleurs. Mais c'est vraiment pas la même difficulté. Mais alors, vraiment, vraiment pas. En fait, plus vous rajoutez de couches dans un système, plus ça devient compliqué. Application Netflix fonctionnelle via Shadow, quand SVP? Il y a des problèmes toujours. Application fonctionnelle, où est-ce marqué? Application Netflix fonctionnelle via Shadow, quand SVP? L'application. Attends, alors Netflix, normalement, déjà, je trouve, à ma connaissance, il n'y a pas d'application Netflix. Il y a le site. Et normalement, ça fonctionne bien. Donc, qu'est-ce que tu appelles par fonctionnel via Shadow, s'il te plaît? Oui. Je veux bien plus de détails. Les Shadows sont-ils backupés ou stockés en plusieurs exemplaires de votre côté? Il faudrait que je vérifie. Je sais qu'on a du RAID, mais à quel niveau, je ne sais plus. Ça bloque sur l'appli, mais pas sur le net. Il y a une appli sur... À cause des HDCP, il dit. Je veux bien que tu m'envoies. Alors, envoie-moi un message sur Discord. Arnaud en orange, joyeux esclave de Delina, même si elle est partie aux États-Unis pour aider les Shadows américains, mais ok. C'est quoi le logiciel de montage 4K qui marche? Ils marchent tous, il me semble, Charbax. Enfin, non, en fait, il marche tous. Je te conseille Premiere Pro qui est de qualité. Même si la dernière mise à jour de Premiere Pro, elle bug un peu du cul. Parlez-en à Erwan, il est ravi en ce moment. L'appli du Windows Store. Quelqu'un de le voir rager devant son écran. En vrai, c'est infâme. Il perd un temps incommensurable. Le stockage supplémentaire, c'est quand, please? Nous n'avons pas de déclaration à faire à ce sujet. On vous tiendra au courant quand ça arrivera. À chaque fois qu'on vous dit ça, c'est pas du tout pour botter en touche. Hein, c'est comme leur vrai. On y travaille, c'est juste que ça prend énormément de temps. Non, et c'est surtout qu'en fait, on aurait des vraies news à vous donner. Vous le savez, en plus, on est assez transparent dessus. Premier à vous. Non, mais vous le sauriez déjà, en fait. Ouais. Vous le sauriez déjà. Taf. Il nous reste encore 2 minutes. Si vous avez d'autres questions. 2 minutes. Shadow Ultra fait partie aussi de ces exercices de test. C'est dans le hardware, Shadow Ultra. Voilà. Pas Shadow, je dirais CyberDirector 5.4 4K montage vidéo de AVR Media, mais pas sur le Shadow. Ça marche, monter sur Shadow en 4K. Encore une fois, je vous le dis, Premiere Pro, c'est quand même pas dégueu. En fait, l'application Netflix sur Windows utilise un décodage qui n'est pas dispo via navigateur pour la 4K, qui ne fonctionne pas sur Shadow. Alors, ça veut dire que c'est un décodage hardware ou software? Enfin, je regarde, je veux bien le type de décodage qu'ils utilisent, s'ils utilisent le hardware ou le software. Et s'ils utilisent le hardware, ils n'arrivent peut-être pas à se connecter avec la carte graphique. Ça me paraît curieux parce qu'il y a ce qu'il faut normalement pour décoder sur les cartes graphiques largement. Donc,
Je veux bien les informations. À quand le fixe du bug de l'input des manettes sur Shadow? Alors, les manettes sont dans des points qui seront abordés, il me semble. Ah oui, c'est vrai, ça fait partie de la roadmap. It's a flying PC. It's a flying PC. Voilà, it's a flying PC. Ce sera dans cette roadmap publique. Tout à fait. Et les manettes en font partie. On y travaille. J'ai pas pu venir jeudi dernier à la visite. Tu peux venir jeudi prochain. Je t'invite à discuter avec Akimi sur Discord. Tu dois déjà avoir discuté avec lui. À quand des micro-trottoirs, connaissez-vous Shadow? C'est faisable. C'est faisable. C'est marrant. Je crois qu'on a un taux d'awareness énorme en France. Quelqu'un écoute aux réunions marketing, Ouais, tu vois. Ouais, on est à 10 à 20%, il me semble. Je crois que c'est 18. 18, c'est ça. J'écoute beaucoup aux réunions marketing, faut croire. Quand ce sera réglé. Oui, mais Avermedia instable sur le Shadow, quand ce sera réglé. Avermedia, c'est pas un truc de capture. J'en ai aucune idée. Avermedia, en fait, c'est un peu compliqué. Je comprends ce que tu dis, Will Nocrose, c'est pas que ce sera réglé tant que ça, parce qu'en fait, en gros, tu demandes à une carte de capture de capturer un flux qui, déjà, lui, est transféré dans les data centers. Ce qui fait qu'en fait, t'as deux captures de deux flux en même temps. Ce qui fait que ton image, elle est jamais ouf dingue quand tu streams, ce qui est normal, malheureusement, parce que c'est plus une utilisation technique du cloud, si je dis pas de bêtises. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es fort. Si t'as une carte. Non, parce que j'avais essayé moi-même en fait, et j'ai fait genre qu'est-ce qui se passe. En même temps, Victor, t'essaies de capturer un flux qui est déjà en fait en transition dans machin bidule, et voilà. Donc c'est assez compliqué d'avoir un flux tout joli. Le micro fonctionne parfaitement depuis Copperfield. Avant, ça ne marchait pas chez moi. Il manque juste le fait de régler la qualité, mais sinon, c'est parfait. Banano, c'était un des grands points qu'on avait eu, le micro. On est très content de le lire. En fait, le micro, ce qui nous reste, c'est pas spécialement le micro en tant que tel, parce que le micro en tant que tel marche. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont m'envoyer des messages en disant faux. Et ce qui pose problème au niveau du micro, c'est plus le driver du micro même, c'est le fait de pouvoir le configurer correctement. Mais pour tous ceux qui ont utilisé un système de communication avec un micro, que ce soit du Cisco ou du Skype, du machin, c'est toujours très compliqué d'avoir... Ah, il y a un faux des échos. D'avoir la bonne configuration. Donc en fait, c'est comment on arrive à faire en sorte que la configuration soit simple. Or, nous, on a une complexité supplémentaire, c'est qu'il faut configurer le micro dans le local, il faut configurer le micro dans le Shadow, dans les deux, il y a un choix. Et même sans ordinateur local, des fois, c'est pas simple. Alors, une dernière question. On va prendre la question de Charbax, parce qu'il n'est pas là souvent, après tout, notre petit Charbax. C'est quoi la bande passante maximale en upload d'USB over IP? Je comprends pas. Là, en fait, il n'y a pas de... C'est peut-être quoi la bande maximale de Shadow et, je suppose, de ce que je comprends. Ah oui, alors, il fait du 100 mégas, le Shadow, en upload. Il fait du 1 méga en download, et en upload, il fait du 100 mégas. Normalement, 100 mégas, 100 mégabits. Patate qui vole, dès que nos chers amis québécois et nos amis canadiens en général pourront accéder à Shadow, ou seront dans les pipes du truc, vous êtes toujours prévus, je vous rassure les gars, parce qu'on sait que vous avez très très envie d'avoir Shadow, ça nous fait très plaisir au passage. Ça nous réchauffe le cœur dans ce pays si froid, qui est le vôtre. Pas mal. Surtout que de Chicago, ça doit pas être très loin quand même. C'est tout de suite. Mais déjà, oui, ça peut être très loin. Mais évidemment, on bosse dessus et on vous informera quand il y aura ça. Mais encore une fois, je vous invite, si vous n'êtes pas trop près de la frontière, hein, je vous invite à tester. Et quand je dis pas trop loin, c'est que je sais que les distances sont gigantesques aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et surtout pour le réseau, vous pouvez passer par New York. Oui, en plus. Oui, mais bon, ça, tu vois, mais quand même, ça fait quand même un sacré distance, tu vois. Ouais, en plus, ça dépend où est-ce que tu le réserves, tout ça. Ouais, c'est pour ça. Bref, oui. Donc, je t'invite à tester maintenant, mais c'est vrai. On veut un shop Shadow. Moi aussi, j'ai très envie qu'on fasse des t-shirts stylés Shadow de ce style-là. Vous voyez, ça c'est Centipede, un très bon jeu d'arcade que Arnaud a bien connu à une époque, j'ose supposer. Bam, dans ta gueule. Allez, une dernière question. Je te laisse la choisir. J'avais en console sur mon Atari. C'était pas sur une borne d'arcade. C'est tout aussi vieux. Hein. C'est encore pire, tu sais. Parce qu'en plus, il était moche. Shadow, ça marche si on part en vacances à être régé en Europe. Oui, ça marche. Enfin, après, bien évidemment, t'auras plus de latence, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais ça marche. Pour moi, je jouais parfaitement à Civilization au Portugal. De Montréal, ce sera possible, vous croyez? Je suis très nul en géographie. Voilà, je pense que c'est la bonne fin de ce Shadow News. Merci d'avoir été là pour... nous écouter et nous poser toutes ces questions fort intéressantes. On vous fait des gros bisous. Moi, je vous dis à lundi matin pour un Shadow Morning où on ne parlera évidemment pas de tech puisque ce n'est pas le but de l'opération. Mais de matinée. Mais ce sera un moment détente entre vous et moi. Et on se retrouvera pour Inside Shadow jeudi prochain. Si ce coup-ci, on le fait parce qu'il y a eu voilà, problème technique, tout ça. Vous savez ce que c'est avec la visite. Avec qui ?
Je sais pas encore. D'accord. Normalement, c'était, ça devait être Yann, mais j'ai eu la visite jeudi qui m'est tombée sur le coin du nez. Du coup, j'étais obligé de faire la visite jeudi et j'ai dû annuler ça. Ah. Bref, des gros bisous et on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye.